Elle s'appelle Laura Frostyle et lui c'est William Clash. Elle est la reine du style et lui le roi du cash. Coco Emile de Charleroi, Majumbo, on dit Quagga. On laisse couler le vin ce soir. Un an de plus c'est du venez voir. Oh oh, today na today, c'est le birthday. Faites sortir le cake, on va. Coucou mes Afrostyle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour mon retour de course pour les fêtes de fin d'année. Donc en fait ça sont les courses pour le réveillon et j'ai aussi profité pour faire les courses du mois. Puisque moi je fais mes courses au marché, donc on est quand même à 50 km du marché. Que d'aller tout le temps, je préfère faire tout ça en une fois. On va débarrasser tout ça ensemble. Non, il reste encore des trucs. Je vais chercher le sac. Voilà. Et quelqu'un a passé avec le sac ici. Rémaïlis. On va retirer tout. Là, il y a le poisson. On va d'abord laisser le poisson ici. On finit d'abord de ranger ça. Et le poisson est déjà nettoyé. Il faut juste laver. Non, retirer ce qu'on va cuisiner pour demain. Assaisonner, mettre au frigo. C'est ça, hein? Ça va. Oui, c'est ça. Ok. Allez. T'as besoin d'aide, mon amour? Oui, j'ai besoin d'aide. Bon. M'aider à terminer. Voilà, les Afrostyle, je vous présente Mamour, celui qui me filme d'habitude. Aujourd'hui, ma fille a pris le relais parce qu'il est fatigué. On était au marché, on a fait les courses toute la journée, donc franchement, on est crevé. On a faim, on n'a même pas mangé. Donc, déjà, je pense que je vais commencer par chercher quelque chose à manger avant de débarrasser tout ça parce que c'est tellement beaucoup. Bon, je m'occupe de poissons. Ah ben j'ai beaucoup de monde pour le poisson. Mais c'est moi qui devais m'occuper des poissons. Non, pour le poisson, on commence alors par le poisson alors. Je ne sais pas, parce qu'il faut libérer. Voilà, ici la maison c'est comme ça, on se discute. Hein. Ma fille en fait elle voulait faire le poisson. Bon, papa veut faire le poisson. Moi je veux faire le poisson, occupe-toi du poisson, j'y arrive, ça va. Bon. Occupe-toi du poisson, ce que j'ai fait, je vais déjà enlever ça, ça me dérange. Tiens, qui a mangé ici? C'est toi. Hein. Oui maman. J'ai hyper, mais hyper faim. Le truc de là. Tu as fini d'enlever les trucs dans le frigo. Dans la voiture. Oui, il y a plusieurs, mais c'est pour toi le truc, le brin là. Oui. Il y a la viande dedans, je mets tout ce que dans de la viande. Prends la bassine, la passoire, tu mets les viandes qui sont dedans. D'accord. Je vais les garder après. Soit la passoire, soit une bassine. Non, mais c'est des gros sacs. Pardon. Du moins, on occupe les, t'occupe pas. Là, tu filmes, essaie de filmer les gens qui passent à nuit. On va te parler de moi. Oh. Mm-hmm. Bon appétit, maman. Merci. Si on avait. Maman, il était pas fondé. Ah, tonton, tu peux passer. Hein. Mm. Ouais, quand vous voyez, je pense que. Coucou les amis, là j'ai fini de manger donc je peux commencer mon classement de courses. Vous allez entendre dans ma voix, c'est pas vraiment la forme aujourd'hui. J'ai attrapé une vilaine grippe. Nous sommes en période hivernale donc il fait pas souvent très beau, il pleut et tout donc du coup je me suis pas sûrement bien couvert en sortant et j'ai attrapé froid et ma voix est devenue vraiment très très rauque. J'espère que vous m'entendez quand même. Et j'ai fini de manger. Maintenant, je fais le rangement de tout ce que j'ai acheté. Heureusement que maman est toujours avec moi pour m'aider dans la cuisine. Donc là, ça me fait beaucoup avancer. Donc, je vais apprêter quelque chose à manger pour ma maman qui est arrivée avec mon petit frère. Donc, en sortant le matin, j'ai pas eu le temps de les faire à manger. C'est à mon retour de course là. Je savais pas qu'ils allaient aussi arriver très tôt. Donc du coup là, pendant que maman et les filles m'aident à ranger et à nettoyer, je vais vite les faire quelque chose à manger. Ça c'est mamie. Elle est toute belle, ma maman, hein?
Allez, maman, dis coucou à mes afro-style. Ah, coucou les amis. Oui, ça. Voilà, je vous présente ma maman, c'est la grand-mère des afro-style. J'avais du chat assaisonné le poisson à la veille. En ce qui concerne que ce soit le poisson, la viande, je l'assaisonne toujours à la veille pour permettre au condiment de bien pénétrer à l'intérieur. Et je les classe toujours dans mes boîtes en plastique de chez IKEA. C'est trop pratique. Franchement, on ne sent pas les odeurs dans le frigo. Et j'adore mes boîtes. J'aime vraiment ces boîtes-là parce que c'est vraiment l'effet que j'attendais. Parce qu'avant, quand je mettais les poissons ou de la viande au frigo comme ça, et du coup, tout ce qui était dans le frigo, ça sentait que cette odeur du poisson ou des condiments. Mais avec la boîte ici, franchement, on ne sent rien du tout. Donc, chaque aliment garde un peu son odeur, quoi. En même temps, dès que maman finit en fait avec les poissons, je les débarrasse directement. Tout ce qu'on ne va pas assaisonner pour demain, je mets direct au congélateur. Parce que comme on est à la cuisine et en même temps on cuisine, c'est très chaud. Pour éviter que le poisson chauffe, je préfère les mettre directement au congélateur et ne laisser que ce qui doit être assaisonné pour demain. Plus jamais parler de moi. J'ai pris la bonne décision, j'ai fait le bon choix. J'ai perdu trop de temps derrière toi, sachant que tu ne m'aimais pas. Descente aux enfers, dans le tunnel de l'amour, mon cœur crie. J'aurais pu mourir pour toi. Ouais, j'aurais pu die pour toi. Un minimum de dignité, il me reste. Alors de cette situation, je m'en vais. Je ne veux plus de marche arrière. J'ouvrirai les yeux bien trop tard. Dis-moi ce qu'il fallait que je fasse. C'est la question que je me posais. Mais pas de place pour les remords. Je suis concentrée sur ce qui ne comptait pas. Pourtant je savais que toi et moi c'était deuil d'avance. Faut que j'aille de l'avant. J'ai enfin ouvert les yeux, il n'y a aucune romance. Je me suis rabaissée à te supplier. C'est fini, j'abandonne. J'ai beaucoup trop essayé. I'm still down, sometimes I cry. Maintenant, une petite pause s'impose pour pouvoir manger un petit bout. Mon petit chéri, depuis le matin, il n'a vraiment rien mis dans la bouche. Dès qu'on est rentré, j'ai quand même eu le temps de prendre 2-3 cuillères de pâte. Mais lui, il était plongé dans le nettoyage, dans le rangement. Il faut dire que lui, il est carrément plus maniaque que moi. Dès qu'il y a tellement de choses comme ça, là, tant que tout n'est pas rangé, lui, il n'arrête pas, hein, franchement. Et maman et mon petit frère aussi peuvent manger. Pour moi, c'est pas encore terminé parce que je vais devoir continuer, en fait, la cuisson pour les autres invités qui arrivent. Pour toi, ouais, j'aurais pu t'aider pour toi. Un minimum de dignité, il me reste. Alors de cette situation, je m'en vais. Je ne veux plus de marche arrière. T'ouvriras les yeux bien trop tard. Dis-moi ce qu'il fallait que je fasse. C'est la question que je me posais. Mais pas de place pour les remords. Je suis concentrée sur ce qui ne comptait pas. Pourtant je savais que toi et moi c'était deuil d'avance. Faut que j'aille de l'avant. La journée terminée.
Ma cuisine a repris sa forme initiale. Tout est bien rangé, tout est propre. Et j'ai déjà fini le deuxième repas pour les deuxièmes invités qui sont arrivés. Les autres, bah, c'est demain matin qu'ils arrivent. Donc, du coup, là, je peux vraiment me reposer et manger tranquillement en attendant demain. Bonjour les Afro-Style, j'étais matinale ce matin. Nous sommes déjà le 24 décembre, donc on est déjà dans le mood de la fête. Ah, c'est comme ça qu'on dit, hein, dans l'ambiance. J'espère que chez vous c'est pareil. En tout cas, chez nous, nous sommes déjà vraiment enjaillés par la fête. Je suis déjà en train de faire mon dolet. En ce qui concerne les viandes, elles sont déjà presque terminées puisqu'elles étaient assaisonnées hier. Donc il manque plus qu'à le mettre au four. J'ai aussi ma petite soeur qui est arrivée, qui m'aide aussi en fait dans les préparatifs. Du coup, ça va hyper vite. Donc après ça, il ne manque plus qu'à coiffer les enfants. Je n'ai pas eu le temps de les tresser. Je les fais tout un petit chignon et puis ça va. Hein. On va dresser la table et après, hein, ça va être la fête jusqu'au petit matin. Jamais parlé de moi. J'ai pris la bonne décision, j'ai fait le bon choix. J'ai perdu trop de temps derrière toi, sachant que tu ne m'aimais pas. Descente aux enfers dans le tunnel de l'amour, mon cœur crie. J'aurais pu mourir pour toi. Ouais, j'aurais pu die pour toi. Un minimum de dignité il me reste. Alors de cette situation je m'en vais. Je ne veux plus de marche arrière. J'ouvrirai les yeux bien trop tard. Dis-moi ce qu'il fallait que je fasse. C'est la question que je me posais. Mais pas de place pour. Place pour les remords. Je me suis concentrée sur ce qui ne comptait pas. Pourtant, je savais que toi et moi c'était deuil d'avance. Faut que j'aille de l'avant. J'ai enfin ouvert les yeux. Il n'y a aucune. Maman, installe-toi. Oh, William, viens, pardon, mon père.
Levez-vous. Serena, vas-y, c'est notre. Elle a capoulé. Elle a brouillé. Non, elle dit qu'elle veut pas. Oui, mais là, c'est parce que tu le laisses là. Amen. On peut manger maintenant? Ouais, on doit se servir. Par ordre. Par ordre. Mais non, pourquoi par ordre? Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, par ordre. Par ordre, chacun se... jamais parlé de moi. J'ai pris la bonne décision, j'ai fait le bon choix. J'ai perdu trop de temps derrière toi, sachant que tu ne m'aimais pas. Descente aux enfers dans le tunnel de l'amour, mon cœur crie. J'aurais pu mourir pour toi. Ouais, j'aurais pu die pour toi. Un minimum de dignité il me reste. Alors de cette situation je m'en vais. Je ne veux plus de marche arrière. T'ouvriras les yeux bien trop tard. Dis-moi ce qu'il fallait que je fasse. C'est la question que je me posais. Mais pas de place pour... place pour les remords. Je me suis concentrée sur ce qu'elle ne comptait pas. Pourtant je savais que toi et moi c'était deuil d'avance. Faut que j'aille de l'avant. J'ai enfin ouvert les yeux, il n'y a aucune romance. Je me suis rabaissée à te supplier. C'est fini, j'abandonne. J'ai beaucoup trop essayé. I'm still down, sometimes I cry. Waiting for you, waiting for you. I'll be fine. I still want you, but I need to go forward, forward, to go forward. La tête remplie de nouveaux projets. Tu m'as pas mal retardé. Un jour en toi ça fera tic tac. Tu le réaliseras puis tu le regretteras. Te va voir.
waiting for you, waiting, waiting for you. I'll be fine. I still want you, but I need to go for a while. Et voilà, c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours un plaisir de partager des moments en famille avec vous. En attendant, je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux
pour la nouvelle année 2023. Je vous souhaite beaucoup d'argent, beaucoup d'amour et surtout la santé, les amis. Big kiss de la part de votre Afrostyle. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout de regarder jusqu'à la fin. De toutes les façons, si vous arrivez jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les amis et appuyez la touche des notifications pour des prochaines vidéos. Bonne année!